Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. Omar, et oui, c'est lui, Benjamin, bien sûr, c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la Coupe Nationale. Et tout le monde est sur le qui-vive ici. C'est une très belle affiche qui se prépare. Quand tu es favori, tu as tendance à être très confiant, à te voir très beau, très intelligent. C'est vrai que la confiance, c'est le sourire du talent. Mais attention à ne pas trop rigoler non plus. Léo Messi sur une pelouse, c'est évidemment toujours un événement et on va surveiller sa performance de très près. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Bon courage, un bon match. Les joueurs qui débutent côté PSG, dans le but Keylor Navas, Marquinhos avec Jiménez en défense centrale, Marco Verratti sera associé à Renato Sanchez au milieu de terrain et devant Kylian Mbappé. Et voilà donc la composition de cette équipe. On a le droit d'avoir un projet minimaliste, de vouloir sécuriser sa défense. Après tout, le 5-4-1, pourquoi pas ? Je m'inquiète juste pour le public. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Et ça joue vers Achraf Hakimi. L'arbitre laisse l'avantage. Le coup de sifflet, finalement, on revient à la faute. Ouais, parfaitement exécuté ce tacle et le ballon change de camp. Attention au pressing. Qu'est-ce que c'est bien défendu ! Et ce ballon est envoyé en touche et donc l'arbitre indique la remise en jeu. Ballon intercepté, c'est perdu par les Parisiens. Marquinhos. Vitinha. Ouais, pas mal, il est dangereux ce ballon vers la surface. Hakimi. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Verratti. Le ballon pour Lucas Hernandez. Et ça joue avec Messi. Le centre de Messi. La belle reprise de volée, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Et les voilà en possession du ballon. Kylian Mbappé. Un ballon intercepté, bonne intervention. Le ballon pour Verratti. La faute est signalée et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Renato Sanchez. C'est un ballon qui est récupéré. Et ça joue avec Messi.
Ballon pour Vitinha. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Sorti en touche. Ce ballon est intercepté. Le ballon pour Verratti. La frappe est bonne, ça passe de peu à côté. Avec Kylian Mbappé, une grosse opportunité, attention, quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. La projection dans le camp de l'adversaire. Ouais, facile pour le gardien, aucun danger. Vitinha. Et ça arrive sur Mbappé. Renato Sanchez. Allez, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Allez, le ballon sort, corner à suivre. Un corner qui est bien ajusté. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Messi la frappe. La frappe est bien contrée. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Oh, la grosse frappe et ça frôle la transversale. La possession qui est au Paris Saint-Germain depuis une quinzaine de minutes et ça leur donne de bonnes séquences offensives pour essayer de prendre l'avantage. C'est très usant pour l'adversaire. Attention, c'est chaud dans la surface là. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super-héros, c'est cadeau. Oui, si près du but, c'est vraiment pas terrible. Et encore, on est gentil. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Et ça joue avec Messi. Avec Renato Sanchez. Et le gardien était bien vigilant. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Le corner bien tiré. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ah non, et cette volée manque la cible. L'idée était bonne, mais pour une reprise des volets, la coordination du corps, l'équilibre doit être parfait. Sinon, voilà ce qui arrive. Le ballon est récupéré. Oh, il s'est bien servi. Tout était presque parfait pour l'ouverture du score et voilà, bah, ça n'a pas. Je ne sais pas quelle était l'idée, mais c'est totalement raté. Le ballon change de camp. Marco Verratti. Hakimi hérite du ballon. Vitinha. C'est ballon perdu par Verratti. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah non, c'est contré. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps au Parc des Princes.
C'est plutôt rare, mais les stats aujourd'hui de Kylian Mbappé ne sont pas aussi brillantes que d'habitude. On attend plus de lui. Oui, mais encore une fois, c'est difficile de marquer des buts si tu n'arrives pas à t'approcher de la cage, à mettre la pression sur la défense. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Une bonne couverture du ballon. Intervention. De l'arbitre pour désigner ce coup franc. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Lucas Hernandez. Le ballon pour Marco Verratti. Hakimi. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et maintenant Verratti. Ah, les transmissions sont fluides pour créer des décalages. Mbappé peut-être pour reprendre. Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage. Renaud Ripard. Tardieu hérite du ballon. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Chers amis, n'oubliez pas la buvette et l'espace convivialité qui nous attend dans Porto. Lucas Hernandez. Jiménez reçoit le ballon. Léo Messi. Et ça arrive pour Vitinha. Et la balle change de camp. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Excellente intervention du gardien sur ce coup franc. Sarabia. Le ballon pour Verratti. Ça continue avec Lucas Hernandez. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Ah, il n'est pas bien donné ce centre, c'est capté facilement. La perte de balle de Marco Verratti. Attention à cette passe. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. Passe, remise dans la course. L'un d'eux, c'est magnifique. On s'est effectué dans le tempo parfait. Et c'est imparable pour la défense. Et la finition toute soyeuse avec ce ballon piqué par-dessus le gardien. Ce but, c'est la définition de l'élégance. Le jeu reprend après ce but encaissé par le PSG. Oh là là, la faute sur ce tacle, très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là.
Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Très bonne décision. Absolument. Avec Kylian Mbappé. Et maintenant Hakimi. Ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Oui, bien défendu. Corner parisien, l'occasion d'égaliser peut-être. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le corner bien tiré. Impeccable cette intervention. Les chiffres confirment que l'équipe visiteuse court après le ballon. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. La faute est sifflée, logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Et c'est un double changement, là pour le PSG. Et le centre n'arrive pas à destination. Paris peut avancer là, dans le couloir. Et le centre dans la boîte. Et ça joue avec Messi. Aïe, 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 le ballon complètement dévissé. Ça passe très loin du cadre. À ce niveau, c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui va faire un changement. Le numéro 19, Pablo Sarabia. Remplacé par le numéro 44. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Et voilà une bonne intervention de la défense. Le ballon sort. Nous allons donc avoir recours à la goal line technologie pour savoir si oui ou non le ballon a franchi la ligne. On le voit bien, grâce à la goal line, le ballon n'a pas franchi la ligne. Perte de balle très dangereuse, attention. La réception de Carlos Soler. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à la hauteur. Mais ah là là, la mauvaise passe. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et un ballon renvoyé par la défense. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Le centre au second poteau. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Alors on approche de la fin de cette rencontre et c'est simple, vu le peu de temps qui reste, c'est maintenant ou jamais là pour l'équipe à domicile. Il reste encore du temps pour Paris et le temps ouvre l'espoir. Le risque de se découvrir doit s'imposer comme tactique. Toujours oser. Et ensuite, deuxième. Et qui tiquait Verratti. Ah, il élimine son adversaire. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois.
Allez, c'est le moment pour Paris de tenter quelque chose pour revenir. Mbappé. Oh, la bonne parade. Minimum de temps additionnel. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Vers Ripard. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Le ballon qui est récupéré, tout le monde repart à l'attaque. Côté tribune, le public se levait d'un coup. Un but suffirait. Kylian Mbappé. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition. Ce genre de surprise, c'est ce qui fait le sel de ce genre de compétition. Tout peut être le meilleur sur la feuille des matchs, tout peut basculer sur un détail. Il faut gagner sur le terrain, pas dans les pronostics. Le centre de Messi.